Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des zones de texte. Donc, les zones de texte vont être différentes du texte qu'on trouve dans les cellules. Donc, pour insérer une zone de texte, on va venir dans l'onglet Insertion ici en haut. Et on va venir cliquer ici sur Zone de texte. Elle nous indique dessiner une zone de texte n'importe où. Donc là, quand je clique sur Zone de texte, vous voyez que mon curseur il change. Ça devient une espèce de croix, mais où c'est barré en bas. Et donc, je vais venir cliquer où je veux mettre ma zone de texte. Et puis je vais rester cliqué et puis je vais aller vers en bas à droite pour créer une zone de texte. Donc vous voyez qu'ici ça s'aligne un petit peu sur ma grille. Donc là voilà, j'ai créé une zone de texte et je peux taper du texte. Donc là je vais taper test, histoire de. Et quand je clique à côté de ma zone de texte, vous voyez que là j'ai créé une zone de texte. Donc là vous avez peut-être l'impression que c'est une grande cellule fusionnée, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez cliquer sur votre zone, cliquer sur les bordures et vous pouvez la déplacer ensuite. Et vous voyez qu'ici, je suis à cheval sur mes cellules. Donc, c'est bien une zone de texte qui vient par-dessus le tableur de la même manière qu'on, quand on insère une image. Donc, cette zone de texte, on peut l'agrandir de la même manière qu'avec une image. Voilà, je peux la rétrécir en hauteur, en largeur. Je peux la faire tourner si je veux. Là, je vais annuler parce que je n'ai pas envie de la faire tourner. Et puis, je peux double-cliquer à l'intérieur pour venir modifier le texte. Et je vais pouvoir modifier le texte de la même manière qu'une cellule. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre en gras, en italique, en vert, en jaune. Voilà, ajouter les couleurs. Je vais pouvoir aligner mon texte au centre. Je vais aussi pouvoir l'aligner en mode vertical. Et ainsi de suite. Donc, l'avantage des zones de texte, c'est qu'on peut les placer un peu n'importe où. Donc, par exemple, je pourrais dire que je peux la placer ici. Et puis, je peux indiquer que c'est tableau correspondant au stock de la catégorie vaisselle au 20 avril 2018. Par exemple. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas besoin de fusionner de cellules et puis que si jamais on veut déplacer ce petit cadre, cette petite légende, eh bien, on n'a pas besoin de défusionner les cellules pour aller en fusionner autre part. On peut très bien le mettre ici ou à cheval là sur mon tableau histoire de faire un petit effet. Etc. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous voyez que ma zone de texte, elle vient s'aligner un petit peu sur la grille. Vous voyez que c'est là, elle veut vraiment venir s'aligner sur la grille. Donc si vous voulez la placer vraiment où vous voulez, vous allez aller dans l'onglet format ici. Donc il faut d'abord sélectionner votre zone de texte. Et puis dans aligner ici, vous allez venir désélectionner aligner sur la grille. Et vous allez pouvoir bouger votre zone de texte vraiment où vous voulez cette fois-ci. Sinon, il y avait un raccourci clavier, donc je vais le réactiver. Donc là, vous voyez que je suis toujours bloqué sur ma grille à peu près. Donc il y a un raccourci clavier, c'est qu'il va falloir appuyer sur la touche Alt pendant que vous déplacez votre zone de texte. Donc la touche Alt, elle est ici, d'accord, juste à côté de votre barre d'espace. À ne pas confondre avec Alt-Gr, c'est bien Alt. Donc vous appuyez sur Alt, donc là j'appuie sur Alt et puis je déplace. Et vous voyez que là, c'est fluide et je peux la mettre où je veux. Donc je vais la garder ici. Donc quand je sélectionne ma zone de texte, vous voyez que j'ai un onglet format qui apparaît et on a pas mal d'options. Donc on a les options de mise en style de notre zone de texte. Donc ici vous en avez pas mal. Donc je vais peut-être déplacer ma zone pour qu'on voit mieux à côté. Voilà. Donc en survolant, vous voyez que voilà, ça change tout de suite de style et que c'est un peu plus visible. Donc là, en fait, je sélectionne seulement la couleur de la bordure qui change, d'accord. Mais on a pas mal de styles différents. Donc là, j'ai un remplissage en vert. J'ai une bordure en plus par rapport à ici. Là, j'ai un effet de dégradé du vert. Là, j'ai la même chose en bleu, en gris. On a un mode transparent avec du texte en bleu, en vert. Donc voilà, on a pas mal de possibilités différentes de styles qui sont déjà définis. Donc là, je vais rien choisir du tout. Je vais garder ma zone avec une bordure bleue. Vous allez voir qu'on peut quand même modifier comme on veut. Donc là, je peux remplir, je peux sélectionner la couleur de remplissage du fond de ma zone de texte. Donc par exemple, je vais la mettre en bleu. Puis le contour, je vais peut-être vouloir en fait la mettre en orange. Et puis je vais peut-être vouloir mettre une épaisseur un petit peu plus large. Voilà, là j'ai un peu personnalisé ma zone de texte et puis on peut aussi faire quelques effets d'ombre par exemple. Évidemment, je ne suis pas à la bonne place. Donc on peut mettre des effets d'ombre
Vous voyez que là, j'ai mon ombre qui vient au-dessus, en dessous, à l'intérieur, en perspective. On peut faire des effets de réflexion. Comme pour les images, c'est les mêmes effets. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer puisque ce n'est pas forcément l'objet de ce cours. Donc voilà, après les styles World Art, c'est vraiment des vieux styles. Je trouve que c'était inventé dans les premières versions de Word, quand les styles n'étaient, le design n'était pas très avancé. Bon, maintenant, je trouve que ça fait un peu ringard. Donc à vous de les utiliser si vous voulez ou pas. Vous voyez que là, quand je sélectionne le style par exemple orange, vous voyez que mon texte est illisible. Donc c'est pas super. Donc je vous laisserai les explorer. Donc il y en a quelques-uns. Moi personnellement, j'évite de les utiliser maintenant. Donc voilà comment créer des zones de texte. C'est pas hyper compliqué. Moi je vais remettre un style en vert, ça fera un peu mieux. Voilà, vous verrez que l'avantage, c'est qu'on peut les placer où on veut et que ça prend la place qu'on veut. On n'a pas besoin de fusionner des cellules. Parce que des fois, quand on fusionne des cellules et qu'on a plusieurs tableaux les uns au-dessus des autres, ça peut être gênant. Donc, on peut insérer une zone de texte comme ça. Des fois, ça peut être la bonne solution. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.